Nouvelle critique, pour vous parler de mon ancien cours de théâtre. Je ne vais pas vous reparler de Jean-Christophe, j'en ai déjà fait pour la 600e critique. Là, je vais vous parler de l'atelier théâtre en lui-même et les personnes qui y participaient. Il y a un peu d'histoire par rapport à ça. Alors, déjà, j'y suis rentré en 1992. 1992, ça a été une année importante pour moi. Ça a été, j'ai commencé à travailler dans l'animation en 92 aussi, il y a 30 ans. Voilà. Et je suis arrivé auprès de Jean-Christophe en 92. Et je ne travaillais pas encore. J'allais à la MJC, Maison pour tous de Montrouge. Et en bas, il y avait le RJ, enfin. Ou la mission locale, voilà, qui se trouvait en bas. Alors, je suis passé par là, bon. Et j'ai vu une affichette, où ils proposaient un stage d'un week-end avec peut-être un spectacle en fin d'année. Et j'y suis allé, et j'ai fini l'année. J'ai même laissé tomber le judo, parce que le théâtre est quand même important, pour moi, plus que le judo. Pourtant, c'était la dernière année du judo, hein, mais bon. Et je les ai plus quittés pendant 14 ans. 14 ans, alors, d'abord, il a vécu le mercredi. Ensuite, il a ouvert le jeudi, j'y suis allé. Et tout un restaurant au mercredi. Et il a ouvert le mardi. Alors, c'était trois cours différents. Le premier, mercredi, les débutants. Le jeudi, c'était plus les pros. Hein. Et enfin, le mardi, c'était plus des sketchs, des trucs comme ça. Et il y a même une année où j'ai fait, ou deux années, je ne sais plus. J'ai fait les trois. Voilà. Et je me suis éclaté pendant toutes ces années. J'ai quelques regrets pour certains rôles que j'ai eus, parce que j'étais un petit peu dans le groupe. Moi, j'étais devenu le responsable des costumes. Normal. Et j'étais devenu un petit peu le clown, enfin, j'étais le gentil. Vous voyez ce que je veux dire, hein, quand on dit que quelqu'un est gentil, c'est qu'il est stupide. Ah ouais, il ne faut pas se cacher, voilà. Et, en vrai, de ce groupe-là, je n'ai aucun ami. Je n'avais en réalité aucun ami. J'ai fait peut-être une fois la fête chez moi pour inaugurer, là, quand j'ai quitté là où j'habitais avec ma mère, pour aller à un petit appartement à Arcueil. Je fais une petite fête, bon. Mais j'ai eu quelques amis pour les déménagements, hein, qui m'ont aidé, certains d'entre eux. Ouais, David, Fred, etc. Mais je ne les considère pas comme des amis. Non. Parce que il y avait beaucoup de, alors excusez-moi du terme que je vais dire, mais des logs de pute, c'est-à-dire que devant il sourit et derrière il balance, même sur les personnes qui d'habitude balancent aussi, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Bon. J'ai fait partie, alors pendant 14 ans j'étais à ses côtés, à la maison des pas du tout. À l'espace Michel Colucci, qui avant n'était pas l'IFAC et tout ça, non. C'était la Museau pour tous de Montrouge. Et après, c'est devenu, voilà, une raison politique. Bon, je passe sur les détails. Et après, j'ai fini par l'Assemblée nationale. Ma femme a fait un autre théâtre. Et on a joué un spectacle ensemble. Enfin, j'ai eu un vrai rôle.
J'ai quand même de bons souvenirs. Lucienne et le boucher, spectacle auquel j'ai participé. J'ai aimé ce spectacle. J'avais le rôle d'Alfred. 2 minutes. Bon, voilà, excusez-moi, j'ai fait à manger à mes enfants et il fallait pas que ça crame. On est d'accord. Alors, revenons à l'atelier, hein, pas nos moutons. Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'était pas mon premier cours de théâtre, j'en ai fait avant et j'en ai fait après. Et je me suis à le pire atelier que j'ai fait. C'était alors non, avant de vous parler de l'Assemblée nationale, je vous parlais d'un mec, Eric. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom bidon. Alors ce mec, il est arrivé dans l'atelier pendant un an, tout se passait relativement bien et il nous a montés les uns contre les autres. Ouais. Et j'en ai été témoin. C'est-à-dire qu'il disait, tu sais, il y a un tel qui, tu sais qu'elle t'aime pas trop. Hein. Okay. Moi, personnellement, je m'en foutais un petit peu. Et il a dit ça à moi, il en a dit ça à d'autres. Et puis, il y avait des tensions quand il est arrivé. Et puis, il y a eu un gros crash. Tout le monde s'est fait avoir. Moi, j'ai vu ce qui se passait. Je n'ai rien dit. C'était peut-être le petit truc que... J'aurais peut-être dû parler à ce moment-là, mais personne ne m'aurait cru, mais au moins j'aurais fait quelque chose. Et il est devenu assez rapidement le chouchou du prof, parce qu'il était assez faillot, assez. Voilà. En plus, il n'avait pas de talent, pas beaucoup. Et assez rapidement, il a eu un rôle important. Moi, je suis parti. Je suis parti parce que j'en avais marre des langues de pute qui racontaient derrière nous. Parce que j'ai connu ma femme en Vendée. Il était là, etc., etc. Et je voulais, j'en avais marre qu'on racontait, je ne sais quelle histoire encore sur mon dos. J'ai quelques regrets, parce qu'à ce moment-là, où il y a l'autre taré qui a fait tout pour que le groupe qu'on était formé, et qu'on n'était pas solide apparemment, a éclaté. Avant, j'avais connu 2 personnes, Karine et Pierre. 2 personnes que j'appréciais beaucoup. Que j'appréciais beaucoup, et voilà. Et ils sont partis du groupe parce que lui-même, enfin, il a raconté des conneries sur eux. Moi, je le savais, et puis je n'ai rien dit. Et c'est un grand regret que j'ai, bien sûr. Il est trop tard pour s'excuser, mais je m'en excuse auprès d'eux parce que je jouais, je les appréciais vraiment, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis pas non plus. Enfin, c'est pas aussi. Et à la soulignée. Alors, oui, vers la fin, il m'a donné des rôles un peu plus importants. Un peu. J'étais. Pendant de nombreux spectacles, j'ai fait l'éternel amoureux. Voilà. Et s'il y avait quelqu'un avec qui personne ne voulait jouer, c'était pour moi. Sauf, j'ai eu l'honneur, et ça, je peux le dire, de jouer avec Daniela. Daniela, c'est une personne que j'apprécie vraiment. Et. Je peux dire que d'avoir quitté le groupe, ce groupe-là, j'ai un regret, c'est Daniela. Daniela, bien sûr, je ne vais pas renouer, c'est l'épouse de Jean-Christophe. Bien sûr, je ne vais plus jamais le reparler parce que j'ai pas été tendre avec son époux. Mais. Parce que j'ai dit ce que je pensais. Mais cette personne a vraiment beaucoup, beaucoup, énormément de courage, Daniela. J'ai eu la chance de jouer avec elle. Ça reste un bon souvenir. C'était un numéro de clown. C'était pas non plus à classer par la baraque, mais voilà, j'ai joué avec elle et c'était un véritable bonheur, une véritable joie. Et voilà quoi. Et puis quand je suis parti, bien sûr, alors j'ai fait un petit pot. Bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y avait un anniversaire, quand il y avait une fête, quand il y avait une personne qui partait, tout ça, j'étais le premier à organiser le truc, premier à donner des trucs, à donner des sous pour un cadeau collectif, etc. Moi, jamais rien. Quand je suis parti, nada. Et c'est à partir de là, à peu près, que je me suis dit, j'ai arrêté de donner, hein, j'ai arrêté d'être sympa. J'ai un peu donné encore après, mais. C'est un autre événement qui m'a fait que cette fois-ci c'est fini. Point final. Voilà, c'est une décision que j'ai prise. Pas une question de radin, c'est parce que j'en ai marre, quoi.
Ensuite, et en plus, le dernier jour, bon, j'ai fait un petit pot, j'ai offert le pot à tout le monde, tout ça. Et ils ont continué à faire les logs du pute, notamment sur David. David, c'est celui qui avait filmé le dernier spectacle qu'on a fait ensemble. David, il a créé la compagnie Artefact, l'association compagnie Artefact, qui est une association qui, pendant plusieurs années, a tenu grâce à moi, en cours de théâtre que j'animais. J'ai décidé de rompre, d'arrêter de travailler avec lui pour une simple raison, c'est parce qu'il voulait m'arnaquer. Il voulait que je travaille plus en étant payé moins. Voilà, je ne me suis pas laissé faire et j'ai préféré partir. En septembre, il m'a dit, fin de contrat, j'avais des abonnés dans mon cours, tout ça. Que faire? Heureusement, je travaillais aussi avec Interlude qui m'a gardé et on a continué l'atelier. Merci à eux. Non. Non, honnêtement, même sur Facebook, j'étais avec un ami avec certains, je les ai enlevés. Je veux plus rien avoir à faire avec les personnes qui participaient à cet atelier théâtre. Plus rien. Au revoir. Nada. Parce que la plupart, c'était plutôt des hypocrites. Je vous le dis, hein, vous, certains d'entre vous, ont été de véritables hypocrites. Avec moi, naturellement, j'étais le bouffon de service. Et avec d'autres. Voilà. À part quelques personnes. Il y a Agnès et Bruno que j'aime bien aussi. Il y a Karine et Pierre. Le grand regret que j'ai, c'est de ne plus les côtoyer. Et je me rappelle, Pierre commençait à m'apprendre la guitare en plus. Non, non, c'était vraiment des personnes généreuses. Parfois, je fais des. Voilà. Je crois que je vais arrêter la critique ici. Kenavochel Grobek, et à très très bientôt pour une prochaine critique.